J'ai été invité cette année pour les 10 ans de la Rancab avec Charlène Couture et on nous a demandé de réaliser des fresques à la fois sur les cuves et aussi réaliser des étiquettes pour une édition collector qui célèbre les 10 ans. Je peins avant tout sur des murs, donc là c'était pas très compliqué de peindre sur les cuves, c'était même plutôt agréable. J'ai aussi essayé de trouver des mots qui ont un peu de sens par rapport au vin, à la culture du vin et aux effets du vin, donc deux mots très simples qui laisse l'imagination imaginer le reste en fait. C'est une œuvre commune qui grandit chaque année, donc voilà, je suis très content de pouvoir célébrer les 10 ans, avec Charlène Couture évidemment. L'année dernière, un artiste qui a travaillé ici, qui s'appelle Michel Granger, a fait une étiquette et il m'a dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec mes poèmes muraux, on va dire. La fresque que je fais, ce n'est pas seulement du lettrisme, c'est aussi un poème avec une histoire. En avant la vie, le vin, ô nouveau soleil et lumière, quand la vie renaît, la terre s'éveille au levant, comme avant, à l'adresse d'un val fleuri. Je savoure l'été en impro, slammer des verres à mur ouvert, en liberté défier le temps. Un bon verre de vin à la main, celui goûteux de Seichi Yarmouth.